Je m'appelle Lucie, j'ai 19 ans et je suis en première année de BTS Assurance. Au lycée, je ne savais pas du tout quoi faire, du coup j'aimais beaucoup les maths et j'ai choisi de m'inscrire en économie sociale. Sur Parcoursup, j'ai demandé plusieurs BTS, notamment assurance, banque, compta et le diplôme de comptabilité de gestion, donc le DCG. J'ai été prise en DCG, j'ai vu que la compta, bah, c'était pas du tout pour moi. Du coup, j'ai décidé de faire des recherches sur le BTS Assurance après mon stage de fin d'année. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de droits, de gestion sinistre et aussi il y avait pas mal de débouchés, donc ça m'a permis d'essayer cette voie. Et j'ai été prise à Vincennes au lycée Hector Berlioz. Donc j'aime beaucoup les cours, les matières et surtout l'ambiance. Donc il y a une trentaine d'heures par semaine de cours. On a des cours magistraux et des cas pratiques à faire à la maison ou en classe. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'on est moins de 30 de personnes par classe. Donc les professeurs sont toujours là derrière nous, à nous encadrer, à nous orienter, donc toujours là à nous aider. Et par exemple, ma professeure de gestion de sinistre m'a aidé à trouver un stage. Donc on a trois stages en première année. Donc par exemple pour le premier stage j'ai surtout observé et ensuite j'ai pu faire des devis auto, habitation, voyage et même rentrer des données sur le serveur en cas de sinistre. Donc je sais qu'après le BTS on peut rentrer directement dans le monde du travail. Donc pour ma part j'ai décidé de continuer mes études, de faire soit une licence professionnelle en assurance ou un bachelor indemnisation corporelle parce que je préfère le côté humain conseil que le côté commercial et j'ai envie d'aider les personnes.